Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous. La guidance pour la semaine, comme d'habitude. Alors, une semaine particulière. Alors, une semaine particulière, je pense qu'on a une semaine particulière au moins une semaine sur deux. Mais on a quand même une pleine lune en poisson le mercredi, le 18, je crois. Et on a une éclipse aussi le 17. Et les deux en même temps, une pleine lune en poisson, c'est déjà quand même assez, j'allais dire lourd, on va pas employer ce terme-là, mais ça vient nettoyer. Voilà, on va dire ça. Ça vient nettoyer, ça vient enlever des gros dossiers si besoin. Quand je dis qu'à chaque fois qu'on a des semaines comme ça qui bougent, etc. Vous savez très bien que ça va dépendre de la personne et que parfois pour moi ça va bouger beaucoup et pour vous, pour toi ça va pas bouger. Et puis inversement parfois, là je vais voir qu'il se passe plein de choses et moi ça va pas du tout m'affecter. Et inversement, bien évidemment. Ok, bon, là on est quand même sur des choses entre la nouvelle lune qu'on a eue en Vierge et cette pleine lune en Poisson en passant par une éclipse, ça fait beaucoup. Le but du jeu pour moi ici, en tout cas, ça va être vraiment de tout nettoyer, d'être le plus clair possible de moi, de ce que je veux, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change, etc. Pour commencer vraiment au mois d'octobre, mois 1, donc un nouveau cycle. Alors, je suis en train de prendre les trois cartes de fin, comme vous le voyez. J'ai un jeu là, je suis en train de m'apercevoir. Là, il y a des cartes qui sont abîmées. Heureusement, je ne les connais pas, que je n'utilise pas tant que ça. Parce que c'est un peu désagréable. Donc oui, de commencer au mois d'octobre un nouveau cycle, le commencement de quelque chose. On va les mettre de côté pour l'instant comme d'habitude. Donc trois cartes. Et pour vous aider, je vais mettre trois pierres dessus. La première, c'est la chalcédoine. La deuxième, c'est la prénite. Donc du vert, du bleu et du quartz rose. Voilà, on les met de côté pour l'instant. On va mettre ça là. On a besoin de ça. Ça, c'est mon petit tarot que j'aime beaucoup. On va prendre ici quelques cartes justement pour cette pleine lune et cette éclipse. Alors, on va mettre un peu d'énergie dans tout ça là. Hop, on va en prendre trois. Ou pas. Ok, on va en prendre 4 visiblement puisqu'elles viennent tout de suite. On a celle-ci qui est là, on va la laisser comme ça pour l'instant. Ok, la première c'est du 21. Du 21 c'est du 3, c'est le cœur, chasser les ténèbres. Vous connaissez ces cartes, hein, je les utilise beaucoup parce que c'est vraiment des cartes qui font référence pour moi et qui me parlent vraiment beaucoup. Même si la ligne qui est inscrite dessous me parle pas toujours autant que le reste. Chassez les ténèbres ici, concentrez-vous sur la solution. Je vous montre tout quand même chaque fois, hein, c'est important. Et j'essaie de vous montrer le mieux possible les images. Les images, les illustrations selon les jeux. Voyez comment ça résonne pour vous au-delà des mots et au-delà surtout de ce que je dis. Parce que voilà, vos propres ressentis sont beaucoup plus importants que ce que je peux dire. On va le dire aussi simplement que cela. Avec donc du 3 le cœur, du 5 la liberté, l'aventure, ouvrez la voie. Ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. Et ici, je parlais de cette phrase-là. Ben, vous voyez que par contre, là, on est bien sur quelque chose qui fonctionne. On a besoin d'enlever ce qui peut être ombreux pour que la lumière puisse passer. Avec du 19, le 1, un peu j'allais dire le résultat. Je ne sais pas si c'est le résultat, la solution, la finalité, le gardien qui est là et qui
Voilà, cette phrase-là, je n'aime pas. Protégez votre énergie. Protégez votre énergie parce que c'est pas la peine de flipper tout le temps, c'est pas la peine de psychoter, etc. De penser qu'il y a des choses sombres, de penser qu'il y a des choses qui sont pas claires. Ça existe, c'est, on est d'accord là-dessus. C'est pas partout. C'est pas partout et quand c'est là, quand c'est dans notre vie, on le sait, on est bloqué à tous les niveaux et donc bah, on va avoir quelqu'un qui va nous aider à ce niveau-là. Mais c'est pas quotidiennement là. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Je dis ça parce que là, donc j'ai fait des sessions de soins privés et j'avais des personnes qui me parlaient de choses de cet ordre-là, de magie noire, des choses comme ça. Alors déjà, moi, je ne traite pas ce genre de choses, très clairement. Et puis, on crée ce dont on a peur. La peur, c'est la plus basse des vibrations. Quand on est vraiment dedans, on va créer des choses et on peut vraiment créer des choses qui n'existent pas. Quand il y a vraiment un problème de l'ordre de ce dont je viens de parler, on le sait, on le voit très très clairement. Donc, on se calme là-dessus, si je puis dire. Et puis, la carte qui a été retournée ici, c'est du 5 aussi. Donc, on est quand même sur une semaine, si j'arrive à faire la phrase, qui va nous apporter de la liberté, qui va nous apporter de l'aventure, qui va nous ouvrir des portes, comme l'image que j'aime bien ici, avec une notion d'empreinte énergétique. Et votre passé envahit votre présent. Là, votre passé envahit votre présent, on est vraiment, c'est la carte pleine lune, éclipse ici. Le passé qui revient, des dossiers du passé, comme je le dis souvent, qui reviennent. Mais justement, si, quand ils se présentent, c'est qu'ils peuvent partir. Sinon, ils ne reviendraient pas. Sinon, ça veut dire qu'ils sont dans notre vie et qu'ils nous bloquent au quotidien pratiquement. Et que de toute façon, on est obligé de faire quelque chose et que probablement, on l'a déjà fait. Ou on va le faire. Ok, mais là, c'est vraiment les événements de cette semaine, les événements planétaires de cette semaine. Ok, on va prendre quelques cartes aussi avec l'Umrazai pour l'énergie globale de la semaine. Alors, hop, on va en prendre trois. Et celle-ci aussi. Ok, merci. Alors, je mets tout ça à côté. Un manque de place de plus en plus flagrant. Alors ici on est avec de la sagesse, de la philosophie, avec la posture, la figure de l'ermite. C'est pas la figure de l'ermite, hein, mais c'est dérivé des majeurs du tarot, c'est pour ça que je dis ça. Entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. C'est un jeu extrêmement précieux, ce jeu-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, et puis ça nous permet de prendre de la distance. Ici, on est sur une semaine de compréhension, une semaine d'ouverture. Ok, en tout cas pour l'instant. Waouh, c'est magnifique. Ok, on continue et on est dans la notion des amoureux ici avec la notion de. La notion, c'est un mot que j'emploie très souvent, je suis désolé comme vous le remarquez. L'appel, prière d'amour à l'être que je suis, à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Magnifique. Ici, la complétude en soi. La figure des amoureux dans le tarot que l'on connaît bien, dans le Rider-Waite que j'utilise d'habitude, mais en face de soi, c'est pas quelqu'un d'autre ou quelque chose, mais c'est bien une part de soi qu'on laisse de côté pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'elle ne nous plaît pas, peut-être parce qu'elle a été blessée, enfin, il y a plein de raisons qui se
font que c'est possible, mais cette part-là, elle fait partie de nous. Et on a besoin de cette part pour être dans notre entièreté, dans notre complétude. On a besoin de notre ombre pour être pleinement dans notre lumière. On a besoin de s'aimer davantage. Et ici, notion de vérité. Ok. J'essaie de me débrouiller ici. Ok. Et j'arrête de dire ok. avec du vin ici. Et donc, c'est le jugement. Universelle, la terre. Alors, c'est écrit comme cela. Universelle, la terre. Notre essence divine est cette émane essence qui, à travers toute nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Je vous laisse le lire et le prendre comme ça résonne pour vous. Ici, on est sur une notion de... On est sur l'appel qu'on a à côté. La carte du jugement dans le tarot, c'est vraiment une carte où on est appelé vers quelque chose. On est appelé à renaître, à avancer, très souvent, mais on est appelé dans une direction aussi. Et on a quelque chose de cet ordre-là. Et depuis le départ, on a une notion de vérité, et peut-être quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et pourtant, on a besoin de le voir pour être dans notre complétude, dans notre complétude, dans notre vérité. Je pense que un des mots de la semaine, ça va être vraiment cette notion de vérité. Ok. Donc on va prendre quelques cartes avec le tarot. Il y en a une qui s'est présentée ici. C'est l'étoile. C'est l'étoile, je me trompe pas. Je n'utilise pas souvent. C'est très joli. Ah, c'est du 17, donc c'est l'étoile. Ok. On va en prendre plus que ça. L'étoile, ça revient à ce que je viens de dire. L'étoile, c'est l'étoile dans le ciel qui nous guide. Ici, j'essaie juste de comprendre l'illustration. L'étoile, c'est là. L'étoile qu'on voit souvent sur le tarot classique, c'est vraiment Sirius. Ok, ici. Donc, je vous la montre, pardon, je ne vous l'ai pas montré. Donc, l'étoile, donc, elle a voulu se présenter avant. Ok, on a celle-ci visiblement qui continue. Ici, ici, on a un cavalier, c'est un cavalier ou un valet, je ne sais plus. Je vais voir comment ça se passe ici. On a des figures, on a la reine de deniers qui est juste à côté. Je pense que c'est le valet. Je regarde juste ici mes cavaliers. Alors, au niveau des figures, souvent je. Hop, c'est le valet. C'est le valet, je voudrais voir un cavalier, s'il vous plaît. Je vous le montre en même temps d'ailleurs. Et à chaque fois je vois la même figure. Donc j'ai vu les trois jusqu'à présent. Voilà, un cavalier et un cheval là. Ok. Donc ici, il y a une notion. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Voilà. Pourquoi je dis eh ben voilà? Parce que avec le valet d'épée, il y a cette notion de vérité. Il y a cette notion de clarté mentale. Je sais qui je suis, tout est clair dans ma tête. Alors, si le valet arrive, c'est que c'est peut-être pas le cas. Vous l'avez compris que c'est peut-être un peu l'enjeu de la semaine, d'éclaircir pas mal de choses. Et puis de ranger un peu dans notre tête pour que des nouvelles idées viennent et nous emmènent plus loin. Là, il est en train de regarder vers le futur. Ok. Avec la reine de deniers qui suit. La reine. Non, le roi de deniers d'ailleurs, pardon. J'ai vraiment du mal ce matin. Le roi de deniers ici. La prospérité. La prospérité, le fait d'être ancré. Le fait d'avancer dans sa vie et le fait de profiter, de jouir de la vie. Ok. On est vraiment avec les énergies qu'on a au-dessus là. Magnifique.
Et ce qu'on a ici, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, bah visiblement, on peut penser qu'il y a une certaine réussite par rapport à tout ça. Il y a de la guérison qui est dans l'air ici. 4 d'épée. Hop, je l'ai raté, mais elle est encore sous mon doigt. La voilà. La voilà, il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Hop, avec un choix qui résultera de tout cela, et puis qui nous emmènera plus loin. Roi et cavalier de deniers, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue dans notre vie, qui commencera à évoluer. Parce que justement, il y aura quelque chose de clarifié. Ok. Je vais arrêter avec le tarot, on regarde juste ce qu'il y a dessous. Et dessous, on a le soleil. Le soleil, c'est la clarté et la vérité qu'on a vu ici aussi. Hein. C'est la clarté, c'est la vérité, c'est la joie, c'est l'expansion, c'est la prospérité. C'est le fait d'être dans la vie, c'est le fait de jouir de la vie aussi. Ok, très joli tout ça. On va le mettre bah, ici. J'ai plus de place. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. On va juste demander un conseil ou deux à nos amis licornes. Alors là, il y en a un peu beaucoup. Alors celle-ci. Et on va en prendre trois. Je ne sais pas, je suis toujours. Non. Toujours focus sur le 3. En même temps, c'est le chiffre de la joie, de l'enfant intérieur, de la légèreté. Donc c'est bienvenu. Ici, la carte qui se présente là, la dernière, qui nous parle d'espoir, d'espoir, d'espérance, et qui nous dit qu'on peut avoir foi en tout ça aussi. Quel est le message ici? On a des messages pas sur toutes les cartes ici. Et non, peut-être pas ici, je sais pas. Restez positif. Le pire est derrière vous. Ok. Et regardez la lumière. Je vous montre, alors c'est en anglais, hein, mais peu importe. Ici, il y a cet espoir qu'on a dépassé, ou que cette semaine, on va dépasser quelque chose et qui ne se représentera pas. C'était la troisième, on va la mettre ici. Et du coup, j'ai pris le 4 d'épée, c'est pas grave. Ok, avec l'action. L'action, on l'a vu dans le tarot, notamment avec le cavalier de deniers. Qui avance d'une manière concrète, d'une manière solide, d'une manière ancrée, et qui réalise des choses qui ne pourront pas partir au vent. On va le dire comme ça. Ok, action. C'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir, mais quelle action? Parce qu'il y a une action dans un premier temps, en tout cas au début de la semaine, qui sera intérieure. Et ici, si on regarde juste l'Umrazai, l'action, c'est de se retrouver et de retrouver une part de soi qu'on a laissée de côté et d'y mettre de la lumière parce que ça fait partie de nous et qu'on ne peut pas la laisser derrière. Ok. Il y a un conseil ici qui nous dit de prendre des inspirations, des actions inspirées, d'inspirer nos actions des rêves que l'on a et d'avancer avec une grande confiance. C'est une semaine particulière, je vous l'ai dit, mais visiblement c'est quand même pas mal du tout tout ça. Et puis ici, j'aime beaucoup cette carte-là. Déjà, l'image, je la trouve juste magnifique, qui nous parle de grandir, qui nous parle de croissance, qui nous parle d'expansion de conscience en l'occurrence. Ok. Qui nous parle, alors je suis désolé, il va y avoir du bruit parce qu'il y a des travaux à côté, mais bon, on va se débrouiller avec ça jusqu'à la fin. Qui nous parle de grandir, qui nous parle d'être aidé par quelqu'un.
Alors là, on parle de mentor, de guide, mais ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, quelqu'un avec qui on a besoin d'échanger justement pour mieux savoir peut-être où on en est, et puis d'avancer pas à pas. Avancer pas à pas, on l'a déjà eu ici. On n'a pas besoin de se précipiter, mais on a besoin d'avancer, de poser des actions précises, des actions durables. Durables, on n'y reviendra pas. Là, j'ai eu ça à nettoyer. Alors, c'est pas très, pas très joli, pas forcément exactement cela. Mais en tout cas, ça s'est présenté cette semaine. Je l'ai fait jusqu'au bout. J'aurais plus besoin d'y revenir. Ok. Et puis, ici, on nous dit bien d'être dans l'ouverture par rapport aux autres et qu'on a des choses à apprendre des autres. On a des choses à apprendre des autres, on a déjà la notion de partager tout simplement qui est essentielle et voire primordiale ou vitale, ça dépend de chacun, ma foi, et ça dépend de notre philosophie de vie, entrevoir notre vérité. Quelle est notre vérité par rapport à cela aussi? La Chalcédoine avec la première carte qui nous parle de la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Je vais peut-être vous montrer comme ça va être plus simple. Ok. Et là, vous voyez qu'on vient de parler d'action, on a parlé de le roi de denier ici, de prospérité, de profiter de la vie, de jouir de la vie, d'avancer, ouvrir la voie ici. On va plus loin. Là, la notion de gardien, on la retrouve avec la notion de guide, de mentor. Gardien, guide, mentor, mais peut-être simplement quelqu'un de bienveillant à côté de soi, avec qui on peut simplement échanger et puis comprendre ce qu'on ne comprendrait pas seul éventuellement. On a toujours besoin d'échanger pour que les choses soient plus claires et pour avoir l'avis, l'opinion des autres, qu'on va peut-être pas prendre en compte, mais qui va nous éclairer sur le nôtre. Je pense que vous me comprenez quand je dis ça. La prénite ici, la pierre de Raphaël, naviguer avec les étoiles. Décidément, on est vraiment sur du maritime. Suivez votre bonheur. C'est une jolie semaine visiblement pour pas mal de personnes. C'est une semaine qui va secouer les puces, mais c'est une semaine qui va nous emmener plus loin et vers quelque chose de mieux pour nous. Donc on a bien le soleil ici. Qu'est-ce qu'on a dessous? Votre passé envahit votre présent. Mais à mon avis, si le passé envahit une présence, c'est qu'il y a des choses qui partent ou éventuellement. Et c'est quand même à côté du jugement là. Il peut y avoir le passé vraiment qui refait surface, voire même quelqu'un du passé qui revient. Et puis, ça peut être, bah justement, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette personne qui est chère à mon cœur, d'une manière ou d'une autre? Est-ce que une relation par exemple qui a été importante et puis on s'est brouillé etc. enfin la vie et puis cette personne elle revient peut-être que ça vaut la peine de faire un pas vers l'autre et que l'autre puisse faire un pas vers soi. Quartz rose la troisième carte et là je m'en doutais avec les deux premières ici qui étaient parfaites ici. On s'est parfait aussi, on va le dire comme ça, mais on a le tonnerre au loin, et là on a bien cette notion de clarifier les choses. Et ça, on l'a vu un peu partout, on a vu la vérité, on a vu notre valet d'épée, on a chassé les ténèbres ici. Donc prenez ce qui est à vous là-dedans, comme d'habitude. Ici, peut-être qu'on vous demande peut-être d'aller jusqu'au bout des choses et de ne pas laisser quelque chose à mi-voie. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Je vous souhaite une belle semaine.
Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements. Mais voilà, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Merci de votre présence. Hein, je ne le dis pas tout le temps, je le dis rarement d'ailleurs. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos retours, etc. Sinon, je ne ferai pas ça, bien évidemment. Ok, on se retrouve bientôt. Parce que je vais me lancer assez rapidement, je pense, dans les prochains astros. Vous savez que chaque mois, je fais les astros pour le mois d'après. Donc là, je vais partir sur le mois d'octobre parce que j'aurais gardé du temps pour un autre projet qui se fera peut-être la dernière semaine de septembre. Bon, on verra ça. Ça se fera pas, donc je n'en parle pas. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, passez une très très belle semaine. Et ma foi, ça peut être bien. Posez vos intentions, travaillez avec la lune si ça vous parle, voyez ce qu'il en est, regardez des vidéos d'astro peut-être pour clarifier les choses. Ça dépend de votre signe, ça dépend de votre carte du ciel évidemment, etc. etc. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt, merci.